tire le gaz 1 cm, ouais, magnéto gauche. Magnéto. Gauche, ok. Et puis ensuite, bah, le starter. Hein. Oui. C'est vrai que j'aurais dû faire les tests de peu. Donc les freins, c'est bon. Oh, bah, le bouton arrive. Oui, c'est oui. Normalement, oui. De voler au bon moment. Voilà, très bien. Ah, donc tu te rappelles ce qu'on a vu la dernière fois? Oui, donc, ça c'est le boîtier ASA. Oui, c'est ça. Altitude Selector Alerteur. Donc Low Power Device, LPD, alimenté uniquement par le breaker du PA, qu'il faut identifier. Oui. Autopilot, c'est celui-ci, tu vois, c'est le deuxième là. Oui. Donc si jamais à l'autopilot, tu essayes de le couper ici et que ça ne coupe pas, tu fais sauter le breaker. Oui. Au cas où, on ne sait jamais. T'as reçu les fiches que je t'ai envoyées sur le PA? Oui. Oui, oui, oui. Ouais, je les ai renvoyées à ton... Tu vois? Très bien. Et là, tu passes en page 1. Tu remontes d'un cran. Oui. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Oui, t'as vu le truc. Donc, t'as vu ces quatre fonctionnalités, là, le... Voilà. Ça, on peut pas trop l'utiliser. On peut pas l'utiliser. Par contre, ce que tu peux vérifier, c'est au niveau du... quand t'es en mode data entry, la seule chose dont tu peux pas te servir, c'est la molette. Appuie sur barre, parce que là, t'es en plus de mercure. Et là, tu vois, t'es à 1013. 1013, oui, c'est ouais, là. C'est que les deux derniers. 1013, et aujourd'hui, on est à 1007. Ouais. Donc, tu vois, t'as quand même 6 hectopascales de différence. Quand même, ouais. Mais donc, on peut pas... on peut quand même... on peut voir ce qu'il a de configuré en mémoire, donc le niveau 100, oui. Une DH qui n'est pas mise, une altitude au niveau 100 et un barreau à 1013. Mais effectivement, on peut pas s'en servir puisque la molette... Et tu vois que ton pilote est en mode ready. Oui, ouais. Ready, donc ça c'est bon. Voilà, donc après il y a le... Et les quatre fonctionnalités les plus intéressantes du PA là et du boîtier ASA, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, donc l'auto VS Selector, c'est-à-dire qu'il va mettre une polarité positive ou négative de la vertical speed en fonction de l'altitude d'interception souhaitée. C'est-à-dire que si tu es à 2000 pieds et que tu lui demandes de monter à 5000, il va te proposer un vario plus quelque chose que tu mets toi sur la petite molette ici. Oui. Après tu as l'auto VS Reduction, plus il se rapproche du vario de l'altitude souhaitée, plus il va réduire le vario que tu as mis. Même si tu lui as demandé de monter à 1000 pieds minute, il va progressivement réduire de 100 pieds en 100 pieds et il va se verrouiller à 300 pieds. Il ira jamais moins à 300 pieds minute, il sait qu'il peut faire l'interception. Et après tu as l'auto-closure rate, c'est le fait de ne pas pouvoir mettre un vario supérieur à 700 pieds minute si tu as une variation d'altitude souhaitée de 500 pieds. Tu lui demandes, t'es à 2000 pieds, tu lui demandes de monter à 2005, bah, il va te limiter à 700 pieds minute. D'accord. Il te laissera pas faire plus parce que il saura pas gérer. Ouais. D'accord. Ok. Oui, c'est nuages de bas, on va dire. Hein. Ouais, potentiellement des stratus qui se baladent. Et voilà, c'est ça, des stratus qui se baladent. Puis le givrage, tu vois, on est à 15 degrés. Ouais. Donc ça veut dire qu'il fait moins 5 dans le carbu. Et donc on sait qu'on a un air humide parce qu'il y a plein de nuages. Oui, exact. Hein. Voilà. Ok, briefing décollage, donc pas d'avant rotation, on réduit le gaz et on prévient tout le monde. Pas de mineur après rotation, on fait un tour de piste main droite. Allez, numéro 2, on fait décollage 28 droite et puis on fait du local et du Garmin. Voilà, ok, très bien. Les bureaux, Fox, Charlie, India, au point d'attente 28, on s'aligne et on décolle en piste 28 droite. Entendu. Hop. Voilà.
Voilà, donc, ok, de toute façon, ici, gyro, ok, plan ouest, 28, gyro, pompe, ok, phare, les phares, si, ouais, il se trouve, au fait, il y est, ok. Je l'ai mis, parce que tu l'avais pas mis, ouais. Mais je vois pas, en fait, c'est pour ça, oui. Gyro, pompe, pito, il n'y a pas besoin, normalement, là, tu veux qu'on le mette? Ouais, allez, soyons fous, pompe, phare, et puis chrono, mais on reste là. Ok. Ok. Allez, hop. Il faut que je m'habitue. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok, puissance disponible. Ok, 50 nœuds, on soulage. 60, hein. Ouais. Voilà, 70. T'as vu qu'il réagit tout de suite là, petit genre de décrochage. Oui. Et t'as eu le bon réflexe, c'est que t'avais pris une assiette un peu trop forte. Voilà, 82. Voilà, 400 pieds. Hop. Allez. Bon, cette feuillure qui me traverse là en direction de l'entrée d'intérieur net. Alors tu vois, regarde, au nord, ouais. La météo est pas géniale. Tu vois que c'est plus bas, t'as vu comment c'est au nord, et regarde au sud, c'est beau. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'écouter la TIS. Oui, oui. Charlie India, position ? Il est en montée initiale. Charlie India, en montée initiale, 1000 pieds. Ok, il y a un petit lien, et ça 30 secondes de l'entrée en intérieur de tout ça. Cloud overcast 1000 feet, température plus 1000, Dubon plus 09, QNH 1007, sunset at 1852 UTC, inform Ponto d'Adverse Contact, you receive information, Echo. Bonjour, ici mon information, Echo, je serai à 12h33 UTC, prévoyé approche RNP 23, piste en service 23, prévoyé départ directionnel, piste 23, niveau transition 7-0, piste mouillée. Attention, vol VFR, annonce au premier contact si vous avez un plan de vol. Vent 220 degrés, 7-9, limité 10. 220. Donc tu vois, c'est la météo du 220 qui arrive. Et si tu veux le matérialiser, tu vois, tu mets ça sur le 220. Ouais. Tu regardes au 220, est-ce qu'il fait beau ou pas. Bah, il fait meilleur que là où tu étais. Donc ça veut dire que cette météo arrive. D'accord. Et là, 220, je mets le heading. Si tu veux, ouais. Heading. Non, de fois que c'est bien, entrée, vent arrière, 20 plus tard pour un complet. Donc je vais être par là. Ouais. Voilà. Bah, c'est donc, maintenant t'as qu'à monitorer. Alors tu vois, tu peux empêcher de passer sur la ville là, donc tu mets ta pilule, touche pas le volant, t'es là. Touche surtout pas le volant, oui. Pour pas contrarier les cerveaux. Et voilà. Et tu lui fais, parce que lui, quand tu lui mets un heading, il se fiche de savoir s'il va survoler une ville ou pas. Vu que nous, on est des gentlemen, on évite le survol des habitations. On évite le survol de la forêt. Ah, bah avec la pilule. Oui, ah oui, non, je vais tester le CWS. Ah bah vas-y, teste le CWS. Donc, si tu testes le CWS, tu gardes le père. Ouais. Appuie sur CWS et t'inclines. Hein. Ouais. T'appuies dessus, t'inclines. Voilà. Et maintenant, tu lui mets une VS0. Ah oui. Et bon, fais gaffe ça, oui. Zéro. Voilà, 800 pieds. Et donc lui, il est en virage. Très bien. Mais il sait pas quand est-ce qu'il doit s'arrêter. Oui. Parce qu'il est en CWS, donc il utilise. Tu te rappelles ce que ça veut dire CWS? Oui, contrôle W wheeling system. Control wheel steering. Oui, c'est. Voilà, bon, c'est presque ça. Et par contre, si tu veux qu'il arrête, tu mets ta pilule à l'endroit où tu veux qu'il arrête son virage. Là, et tu rappuies le mode heading. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et tu vérifies qu'il a bien quitté le mode CWS. Le mode CWS, il va bypasser les informations du boîtier du pilote automatique par la dernière impulsion qu'il a reçue sur les commandes. Ouais. Donc là, sur le volant, si tu pousses, il descend, si tu cadres, il monte, si tu tournes, il tourne. Ouais. Par contre, là, tu peux quitter. T'as dit qu'on quittait déjà ou pas? Non, on va dire. Tu peux dire, ouais, que t'es. On traverse sud de Sierra Whiskey et qu'on quitte. Oui. Fox Charidia, on est traverse sud Whiskey. En veille à fréquence. Pierre à whisky. Pierre à whisky. Ah oui.
Oui, donc le côté sympa du CWS, c'est qu'il ne dépassera jamais 15% de la vitesse propre. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, exactement. Ok, et après je voulais mettre ici un waypoint là pour faire une directe tout. Ah, vas-y. Donc, alors, directe tout, mais là, ok. Je fais. Alors, je sais plus. Ah, regarde, t'as plein de façons de faire. Soit tu vas dans l'IFTL pour rajouter quelque chose sur le plan de vol. Voilà. Soit fais clear pour revenir à la page par défaut. Yeah. Voilà. Et là, t'es dans le chapitre. Non, oui. Change de chapitre pour aller dans les nearest. C'est là, le waypoint. Ouais, ou prends les nearest, oui. Ouais, prends les nearest encore, change de chapitre. Non, oui, t'as raison. Ouais. Alors, nearest, oui, c'est exact. Là, t'es dans les nearest, regarde en haut, les nearest airport. Avec la petite molette, tu peux changer de page. Là, t'es dans les nearest intersection. Ok. Avec la grande couronne, pour l'instant. Les mettre il n'y a pas de LFOP si, mais il doit être plus loin. Il te les met par ordre de proximité géographique par rapport à toi. Oui, mais c'est qu'il trouve que t'es trop loin. Si sinon LFXU juste pour voir. Oui, LFXU remonte. Voilà. Donc, et là donc inter, non inter là, non direct tout, direct tout. Ah, ok. Là, il va te demander de confirmer deux fois. C'est venu là. Ah non, il va te enter. Voilà, deux fois enter. Encore. Voilà. Et là, il est bien en LFXU, magenta. Magenta. Et maintenant, après, alors, voilà. Je reviens sur la nappe. Si tu veux, mais là, il faut, là, pour l'instant, tu n'as pas dit au pilote automatique quoi faire. Tu as juste rentré un waypoint. Ah oui, alors oui, je sais. Ouais. Voilà, GPSS. Et là, si tu veux, c'est tu maintiens clear. Pour revenir à page par défaut et tu tournes, tu changes de page. C'est bon, mets ta page 2. Ah oui, c'est ça. Non, pas le chapitre, pas page 2. Voilà. Chapitre, ouais. Page 2. Et là, c'est bon, et là, c'est bon. Et tu peux zoomer. Et les fixes dessus. Et tu peux zoomer pour te voir. Arrêt. Voilà. Muy bien. Et bien, bien. Là maintenant, la pilule ne sert plus à rien parce qu'il est plus en mode EDIG, il est en mode. Navigation. GPS. Il est en GPSS. Ouais, voilà. Il est en GPSS. Global Positioning Steering System. C'est ça. Voilà. Très bien. Mais c'est parce que je voulais. Alors si tu veux mettre où, tu vas dans FPL. Il le trouve pas parce qu'il est trop loin. Appuie bien fort sur FPL. Voilà. Tu appuies une fois sur pour rentrer. Non. Ici. Voilà, là tu commences à tourner la petite, et stop, avance avec la grosse, encore, et voilà, et tu mets LFOP. Je conseille à chaque fois que tu fais une manip, de regarder de Loin. Oui. Tu mets O, tu regardes de loin, tu mets P, tu vois, je vois que tu regardes de loin. Je te promets de loin, pour ne pas regarder. Voilà, LFOP, voilà, entrée. Voilà. Là, après tu revas dessus, tu remontes avec la grande couronne, direct tout. Voilà, oui, c'est ça. Entrée. Non, direct tout, entrée. Alors là, t'as fait deux fois direct tout. Alors, la bonne façon de faire, tu vas sur ton truc, hop, tu fais direct tout, et là, il te demande de l'activer. Tu fais oui, il te demande de le confirmer, tu fais oui. D'accord. Et là, il y va. Voilà, magenta, donc c'est bon. Et par contre, ne laisse pas faire des virages sans regarder dehors. Oui, toujours pareil, là. Exactement. D'accord. Ok. Là, tu vois, on a 122, donc il se permet d'incliner à 17-18 degrés. Ouais. Et donc, de fait, tu sais qu'il est à la piste, là, tu pourras te dégager, retour en garde de l'air. D'accord. Bon. Alors, on va peut-être l'arrêter. Hein? Là. Fais bien attention quand tu lui fais faire des choses, de bien regarder dehors. Prends un peu d'attitude là, avec le relief qu'il y a. 400 pieds. Ouais. Attention à tes inclinaisons quand même, là, c'est un peu fort là. Ouais, bon, on a... Ouais, je suis d'accord, mais... Tu vois, on est large, hein. Ouais, et monte pas trop non plus, voilà. Parce que tu vois que t'as des nuages devant.
très bien. Ah, si tu veux qu'il monte un petit peu, tu lui mets une VS positive. Oui, c'est ça. Ouais, vas-y. Ah, et surtout, tu surveilles ta vitesse, plus que santé, parce que tu lui mets au moins 300. Voilà. Et tu surveilles ta vitesse parce que lui, il est capable de décrocher. Alors, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les nouveaux pilotes automatiques, ils montent avec une vitesse. C'est-à-dire que tu lui mets pas un vario, tu lui dis, tiens, je veux monter à 100 pieds minute jusqu'au niveau 100. À 100 pieds minute. Je veux monter à 102 jusqu'au niveau 100, par exemple. Ouais. Voilà. Tandis que lui, il prend le vario que tu lui as donné, peu importe ta vitesse. Donc il peut décrocher. Ce qui est déjà arrivé comme accident, c'est que tu as des gens qui sont en pilote automatique, et le pilote automatique est prévu pour maintenir l'altitude. Et puis l'avion se charge en glace, parce que l'avion est en train de givrer. Donc le poids augmente. Donc qu'est-ce que fait, vu que le poids augmente, il faut augmenter la portance. Donc il cadre l'avion. Il cadre, et puis au bout d'un moment, il décroche. Bah ben voilà, tu le connais bien. Bon après je sais pas faire des OBS. L'OBS, alors ça c'est pour les vélos que... Donc regarde, appuie sur le FTL. Ouais. Rajoute LFXU en destination. Donc, appuie une fois pour rentrer dedans. Voilà, appuie une fois là. Ouais. Voilà. La petite couronne, non la petite. Voilà, la grande couronne pour avancer, encore, tu mets LFXU. Tu aurais pu mettre Nearest, machin, LFXU. Dès que tu as mis une LED, tu regardes dehors. Là, entrée. Voilà. Maintenant, avec la grande couronne, tu reviens en arrière. Voilà. Là, tu mets direct tout, entrée, entrée. Direct tout. Là, il te demande est-ce que tu veux l'activer. Tu mets oui. Est-ce que tu confirmes oui. Voilà. Donc là, il va te faire une direct tout sur LFXU. Ok, t'es bien en mode GPS. Oui. Appuie sur le bouton OBS. Voilà, alors il te propose pas de le faire parce qu'il faudrait d'abord être en mode lock. Donc oui, je te demande, regarde. Appuie sur OBS. OBS. Voilà. Donc là maintenant il va te demander quelle course tu veux. Tu t'es posé sur quelle piste 28. Eh ben B280. La petite couronne. Là, avance avec la grande pour aller mettre un 0 à droite. Voilà, là tu. Avec la petite 280, entrée, voilà, et maintenant tu repasses en mode GPS ici. Ah, GPS. Voilà, et ensuite, sur le H ici, tu mets l'axe 280. Donc là. Donc là, il prend sur le H ici. Tu mets là, pardon. Tu mets l'axe 280, c'est ça qui va te matérialiser. 280, là, t'es à 240. Là t'es à 260. Ah bon? Ah oui, 280. Ouais. Ah oui, c'est ça, oui, d'accord, ok. Mets l'axe 280. Pareil, tu vas le mettre ici aussi. Là, tu vois que t'as ton lock qui commence à bouger. Oui, oui. Je te dis que tu te rapproches de l'axe de piste. Deuxième cran. De puissance quand tu rajoutes les traînées pour cet avion, ouais. Parce que tu vois, chaque cran de volet, tu pars 5 nœuds. Alors je sais bien qu'à 80, on a de la marge, hein, oui. Mais pour cet avion, là tu vois, il te dit que tu es aligné sur la piste. Les bureaux, Fox Charlie India, en finale 28 pour un complet. Troisième. Pas mal, Olivier. Il y a bien en bas, hein.
j'ai vu que tu avais ressoufflé un petit peu la profondeur comme, oui. Comme il fallait. Tu as fait une oui. descente prolongée, tu as vu que tu étais un peu haut, oui. donc tu as tout réduit en oui. plongeant. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Puis au bout d'un moment, quand tu sens que la vitesse se casse la figure, tu ressouffles un peu la profondeur pour qu'elle soit plus efficace. Puis après, tu as fait tes variations d'arrondi et tu es très bien. Ouais. Très bien. À force d'en faire. Tu as combien d'atterrissages en tout maintenant? Bon, j'ai vu plus de 300, ça je sais, mais après je sais. Moi, ouais, j'en suis à 3600 et quelques. Ah oui. Ouais, c'est autre chose. Ouais, ça fait 10 fois plus. Oui. Pas non plus. Ouais, je suis à 3000 ou 3700, je sais plus. 3600 ouais. ou 3700, c'est peut-être 3700. 3700 et des brouettes en atterrissage. D'accord. Eh ben, c'est bien ça.